qui savait que sa mère prépare aussi bien. Amen. Jamais fait tout le monde. Je veux des gens qui ont passé la commande pour le gâteau. Amen. Bon, il y a d'autres gens qui sont venus parce qu'ils n'ont pas vu la soeur du frère, ça fait longtemps qu'on aime bien Rachel. Amen. Donc, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais comme nous sommes les Égyptiens, nous avons l'habitude de faire ce que les Égyptiens font toujours. Amen. On accueille les nouveaux, on a des nouveaux parmi nous. Amen. On va recevoir Caleb. C'est la première fois qu'il y a une activité Égyptienne. Ici, rappelle-moi ton prénom. Andy. Donc, après avoir fait on va prier pour que le Seigneur bénisse son papa et bénisse la soirée, bénisse tout le moment. Pardon? Daniel aussi. Daniel? Ok, bon, Daniel, mais c'est un ancien, il a été dans tellement de chilling. Bon, Daniel, quand même, sous-insisté, mais il a été dans le sont les seuls qui t'ont réclamé. Bon, ok, maintenant, pour faire la suite à notre truc là. Non, on va quand même recevoir Rachel. C'est vrai qu'elle n'a jamais été dans notre groupe comme ça. C'est Rachel, même si elle est chez elle. Beaucoup d'activités ici à côté d'habitude là et donc et c'est juste 5 minutes, il y a le bowling, il y a chez nous, il y a les soeurs, donc c'est quelque chose de faisable, ce n'est pas loin. C'est vrai qu'à Adonija aussi, j'ai jamais vu Adonija. Amen. On va vous voir Adonija. Donc on va prier, on va d'abord chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu d'avoir fait ce que nous fissions ici, papa. Nous prions pour que tu bénisses cette maison. C'est aussi l'occasion de bénir cette nouvelle maison avec laquelle tu as béni la sœur Jeannette et sa famille. Nous prions pour que cette maison soit une maison qui va servir à gagner des amis. Une maison, Seigneur, qui va faire ce qu'ils grandissent dans la spiritualité et dans la recherche de ta face et de ton nom précieux. Nous prions pour que tu bénisses ce repas ainsi que les gens qui l'ont préparé. Que tu bénisses le temps que nous allons passer, le temps de fraternité, le temps de joie, surtout que ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés ici, Seigneur. Que ta main soit sur nous, que chacun d'entre nous rentre chez soi. Saint et sort au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Jeff, tu as quelque chose à dire? Une annonce, je ne sais pas. Tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur Jésus pour une année de plus dans ma vie. Et c'est par grâce que je suis sauvé et que je n'ai pas mérité ce salut. Et je remercie toute ma famille. Le Seigneur et que oui, il y a une vie où je vais, mais on continue à persévérer. Amen. Et je remercie pour que plusieurs membres de l'Église continuent à persévérer dans le Seigneur. Amen. Ces temps-là, c'est de plus en plus difficile. Je constate avec mes amis, je constate que beaucoup sont égarés, sont perdus et que faut pas avoir honte de prêcher l'Évangile. Amen. Et que. Il ne faut pas avoir honte non plus, même si on est parmi les seuls chrétiens dans notre milieu, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, mais n'importe où, c'est vraiment important de prêcher la parole de Dieu. Amen. Et ça, et j'espère de tout cœur, de votre cœur, que tout vos membres de votre famille vont finir par trouver Jésus-Christ dans leur vie. Et que on va tous se réunir une fois là-haut quand le Seigneur nous appellera. Amen. Amen. Donc, comme d'habitude, les soeurs vont se servir
Amen. Allez, tu vas pleurer d'abord. Soyez pas gênés, le repas est bien. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Yeah, on a apporté le Ludo aujourd'hui, ne dis pas qu'on n'a pas passé à vous. Il y a le Ludo. Ah, voilà, je savais. Il y a des émotionnels, mais c'est bon. Merci.